Bonjour à tous, c'est OLMB113, on se retrouve pour la fin du tour de l'équipe Movistar pour l'étape qui arrive à Paris. Donc là, j'ai les 4 maillots distinctifs sur 4 coureurs différents qui paradent là, en tête de peloton. Je pense me souvenir que ça m'est jamais arrivé, hein. Je crois que c'est quand même pas évident. Il n'y a pas beaucoup d'équipes où on peut faire ça. Voilà, maillot jaune, maillot à pois, maillot vert, maillot blanc. Bon, si ce n'est que pour l'instant, le maillot vert est un faux maillot vert, parce que c'est quand même Valverde qui est premier du classement. Donc on va quand même essayer de faire passer... Horace Gilles en tête de ce classement. Et là j'ai pris Xosti pour suivre les échappées. Enfin pour glisser quelqu'un dans l'échappée matinale. Ce qui est fait. Bon, ce groupe ne fonctionne pas, hein. L'écart ne fait que diminuer. Donc il va falloir tenter de faire exploser ce groupe parce que là, ça n'ira pas au bout. Voilà, le peloton est juste là. Bon, personne ne veut me suivre. Ça sent l'échappée solitaire. Voilà, le groupe va peut-être se scinder en deux. Ça m'arrangerait, moi je préférerais être à 4-5 et que le peloton reprenne l'autre partie. Voilà, bon, il n'y a que 4 secondes d'écart entre les deux, donc c'est pas terrible, mais bon, ça peut marcher.
sauf que ça marchera pas. Voilà, regroupement général, 30 secondes d'avance sur le peloton. J'essaie de remettre un coup parce que là ça marchera pas. Bon, c'était prévisible, donc l'échappée n'a pas pris et on se retrouve donc au niveau du sprint intermédiaire avec Horace Gilles et un peloton groupé. Voilà, on est à 1,5 km du sprint intermédiaire. J'ai eu pas mal de mal à remonter le peloton. Et je cherche les sprinteurs, voilà, je vois Cavendish. 950 mètres, il était temps que je revienne quand même. Je suis même très mal placé. C'est même mes équipiers qui font barrage, ça craint. Bon, j'arrive à prendre quelques points, mais j'étais vraiment très mal placé. Attention à l'attaque de Chavanel. Chavanel et Garance. Classique, il ne faut pas les laisser partir. Hein. Ah, ils en veulent, hein. Voilà, on se retrouve à 10 km de l'arrivée, avec toute mon équipe en tête de peloton, les 4 maillots distinctifs. Mais voilà, comme à la parade. Et le peloton est donc groupé, il n'y a plus qu'à gagner le sprint. Alors il me reste un gel hein, à prendre, donc je ne sais pas si je vais aller au sprint groupé ou si je vais essayer de partir un petit peu avant. C'est une configuration assez rare ça en fait, hein, d'être en peloton groupé à ce moment-là. Parce que d'habitude on a fait le résultat avec notre leader, ben, soit gagner le tour, soit finir sur le podium, soit enfin au mieux. Et on a notre équipe qui est un peu cramée, on n'a pas forcément ni besoin ni envie d'envoyer quelqu'un en échappée. Donc là j'avais essayé et du coup comme ça n'a pas marché, ben, tout le monde est resté groupé. Donc c'est vrai que sans échappée matinale à l'avant, c'est une configuration qui n'est pas courante. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Alors qu'on va attaquer le dernier tour. Cavendish est là. Et c'est les équipiers de Greppel qui roulent. Donc les lotos.
Voilà le dernier tour, 6 km de l'arrivée. Alors je pense que je vais me faire protéger dans pas longtemps par, par un bon rouleur, hein, par Carpet je pense. Je vais attendre de prendre le virage. De toute façon toute mon équipe est là, voilà, juste derrière. Commence à accélérer quand même là. Hein. Allez, Carpet. Parce que là, les équipes de la loto commencent à fatiguer devant. Donc si je veux partir, c'est peut-être le moment, mais ça paraît compliqué quand même, là ça roule vraiment fort. Hein. Là, on va essayer de faire un sprint massif classique. Hein. Carpet, s'il veut bien arriver, c'est pas évident de remonter là, hein, vu comme ça roule. On est à moins de 3 km de l'arrivée. Je vais prendre la route Cavendish quand même. Donc le vent viendra de la droite. Ah voilà, Carpet, il est là. Je suis en train de me faire enfermer. Oh, je le sens bien là. Je le sens bien parce que là devant, les équipiers sont vraiment mal. Non, c'est pas bon. Qui est là? Cavendish qui me suit. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Aïe 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 aïe, je vais me faire avoir. En tout cas, Cavendish, du coup, c'est quand même bien fait avoir, hein. Bon, je finis 4 devant Cavendish. Et je sais pas si ça suffira à prendre le maillot vert. Voilà, donc victoire de Greipel devant Sagan, Farrar, Rorasville et Cavendish. Un beau quintet de sprinter quand même. Un petit point de montagne pour De Griff. 39 points pour Rorasville, ça devrait suffire pour prendre le maillot vert. Quintana, tout le monde dans le même temps et toutes les équipes dans le même temps. Au classement général, donc la meilleure équipe, c'est Movistar avec 42 minutes d'avance sur la Sky. Quintana, maillot blanc avec une minute d'avance sur Pinot. Rorasville, voilà, qui prend le maillot vert devant Valverde, donc un beau doublé de l'équipe Movistar. Arroyo qui conserve évidemment son maillot à poids et Valverde son maillot jaune avec 3 minutes sur Evans, 4 sur Froome qui complète le podium.
Voilà, mais je vous remercie d'avoir suivi ce tour, c'était sympa, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.